Je m'appelle Pascal, Pascal Vega. Je dis souvent que je suis une femme de la forêt. La forêt a abrité mes premiers pas, elle me nourrit, elle me régénère au quotidien. Et j'ai la grande chance d'avoir passé une partie de ma vie en forêt amazonienne. Là, j'ai vécu avec des Amérindiens et j'ai reçu des enseignements qu'on dit chamaniques, extrêmement précieux. Et j'ai vraiment à cœur de les transmettre à mon tour aujourd'hui. J'ai la grande chance d'avoir rencontré la spiritualité très tôt dans ma vie. Mes parents m'ont donné les clés pour méditer lorsque j'avais une douzaine d'années. Après, j'ai exploré plusieurs voies spirituelles. J'ai rencontré le Reiki en 2006 et j'ai passé mon quatrième degré en 2008. J'ai commencé à enseigner un petit peu plus tard, en août 2018, dans le cadre de Plumes de Forêt que j'ai créé. J'ai deux filles, ce sont deux très belles femmes, belles dedans et belles dehors, et je suis honorée d'être leur mère. Elles sont en couple avec des types formidables, et à eux quatre, ils ont fait trois petites filles qui sont mes petites filles et qui illuminent ma vie aujourd'hui. Je suis aussi la très très chanceuse propriétaire de Monsieur Lux, alias le chien le plus initié au Reiki de toute la planète, et surtout grand fan d'enracinement énergétique. J'aime la fantaisie, j'aime sortir du cadre, je déteste la routine, et je suis carrément adepte de l'extrême sophistication de la simplicité. Il y a quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est lorsque je vois vos mains Reiki s'allumer pour la première fois lors des stages de premier degré de Reiki. À très vite!